les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Jalopy. Donc, on va retourner en direction de Berlin. Ça me sert à rien parce que je sais ce qu'on va me dire. On va me dire que je n'ai pas besoin de tout ça. On va arrêter de les emmerder parce que j'ai déjà emmerdé une fois. Donc hop, on va réparer tout ce bordel. Ah oui mais... Non parce que je peux pas réparer comme ça. Allez, on répare. Mais c'est vrai qu'en gros, faudrait que je revérifie, mais je crois que je n'ai pas chargé une seule fois. J'ai pas changé une seule fois ma batterie en Dieu ne sait combien d'allers-retours. What? Pneu arrière droit. Ok. C'est cool ça. Mais par contre, pourquoi il ne dit plus rien maintenant? Non, c'est pas de ce côté-là. Hop. J'espère que les médicaments vont être rentables cette fois. Ah mais là, même là, l'heure elle tourne. Allez, hop. Donc on va pas jusqu'à Dubrovnik, non, on n'y va pas. On va jusqu'à à Sturnovo. Sturnovo, on va prendre celui-là, 280 km. Ah mais c'est lui qui sonne, c'est pour ça tout à l'heure je me posais la question de ce que c'était la sonnette. Mais en fait il vient de sonner parce que mon pneu est mort. Bah mon pneu est fatigué, il est pas mort encore, mais il est fatigué. Et là on va commencer à avoir du monde sur les routes. Donc voilà. Et le truc c'est que je proposerai un stream de plusieurs heures sur ce jeu. Et quand je dis plusieurs heures, ce serait presque une journée même pour pas mentir. Parce que en gros. Ah, j'ai aussi l'avant-droite qui est fatiguée. Parce que en gros. Comment dire? Donc on est obligé d'aller sur la droite. Parce que, comment dire, en gros il y a un succès qui est de faire Berlin-Istanbul, Istanbul-Berlin en une traite, en fait, en une partie. Donc j'aurais aimé faire une traite en stream, voilà. C'est pour ça que pour l'instant j'aurais aimé finir quand même le let's play que j'avais entamé, on va dire, avant de commencer ça. Voilà. Allez hop, voilà, nickel. Nickel. On a déjà fait 70 km. Est-ce qu'on peut arriver à Berlin sans faire le plein? Putain, quel rythme. Franchement, j'aurais voulu, je pense que j'y serais pas arrivé, mais là... Voilà, un nouveau défi maintenant, ce sera arriver à Berlin sans faire le plein.
Bah, de toute façon, après, je pense que c'est largement faisable parce que je crois que c'est l'avant-dernier voyage avant Berlin. Pour l'instant, déjà, on n'a pas de caisse, c'est un peu chiant. Mais, ah, voilà, une caisse, il y en a même deux, regardez-moi ça. Faut aller juste en parler. Faut juste en parler et elles arrivent. C'est magique, hein. La magie du montage. Ah non, mais non. C'est pas du montage. C'est vraiment des caisses. Alors. Hop. Allons bon. Hop. Du tabac. Oh. Est-ce que ça veut dire que. Parce que là. trente-cinq balles! Ah ouais, là c'est bien là. 35 balles unité, on va être bien. Par contre, là, c'est un peu moins bien. Je pense qu'il va... Aïe, merde. Je sais pas si ce truc... Là que j'ai installé tout à l'heure, hier dans l'épisode précédent, elle existe vraiment pour cette voiture qui existe vraiment en fait. Je sais pas si cet accessoire existait vraiment. Voilà, c'est la question que je me pose. C'est la question à 10 000 balles. Parce que sincèrement, si stocker, si ce ça existait vraiment. Ça devait être tendu le truc. Donc voilà. Moi c'est la question que je me pose en fait pour l'instant. Est-ce que cet outil a-t-il vraiment existé? Déjà c'est un peu tendu parce que pour dire que ça a vraiment existé, c'est pas possible de se dire ça. En fait ce truc on va passer que du temps en terre. Ouais c'est vrai que cet endroit-là il était souvent en terre je crois. Après, c'est vrai que le chemin est assez sympa à faire en aller-retour. Après, c'est vrai que j'aimerais bien avoir encore des caisses. Faut parler des caisses pour qu'elles arrivent. Non, c'est vrai que c'est sympa ce petit truc là. Qui me dit si mes pneus sont HS ou pas. Donc voilà, le nouveau défi que je me lance à la fin, et étant donné qu'on est sur la fin, ah il y a une caisse là encore, c'est que, en gros, est-ce que je vais pouvoir finir la course, on va dire, arriver jusqu'à Berlin, c'est pas vraiment une course, mais bon, arriver jusqu'à Berlin, sans remettre de l'essence. Et pas sans tomber en panne, parce que même si je tombe en panne, je m'en fous. Mais en gros, sans racheter de l'essence. Et sans... Donc sans racheter d'essence. Mais faire avec tout ce que j'ai sur moi, hein, par contre. Donc c'est-à-dire avec... mes jerrycans d'essence et mon bidon d'huile, hein. Ça marche. Ça marche en tout cas. Par contre, faut des... Je pense jamais à appuyer sur ce putain de volant. Histoire de pouvoir me remettre d'équerre. Des plantes volantes? Sérieusement. C'est vrai que c'est un peu dommage que ce jeu ait été oublié parce que... Il a été oublié. Non, il a été abandonné, on va dire, plutôt. C'est quoi? C'est des tournesols, ça? Le mec, quand il a fait ses tournesols, il a dû regarder les Teletubbies, non? Il devait être défoncé, hein, le gars. Parce que je crois que, de ce que je sais, il n'y a qu'une personne qui a travaillé sur ce jeu. Ben, c'était une équipe d'une personne, quoi. C'est un petit jeu indé assez sympathique, je trouve, en tout cas. Pour ma part. Mais oh, les routes, elles sont space. Ouais. Je me rappelais pas que c'était aussi space la première fois que je suis venu. Bah, les deux premières fois que je suis venu. Les trois premières fois que je suis venu, parce que je suis venu trois fois.
deux fois tout seul et une fois avec vous pour l'aller. Mais je me rappelais pas que c'était aussi space que ça. Par contre, là t'es plus en montée, hein. Tu devrais avancer un peu plus. Voilà. Allez, hop. Là, il va y avoir pas mal de choses à faire. Voilà, nickel. Hop. Nickel. Donc on va vendre presque tout. Là maintenant, il est bleu. Il est devenu bleu, le truc. Il était rouge tout à l'heure, le... Allez, on va se faire du fric. Mais ce que je disais, ça finit toujours par payer. Donc là, on a une plus-value sur à peu près tout. Bon, le tissu, je m'en branle, hein. Sincèrement, ça vaut que dalle. Mais je le vends quand même parce que j'en ai besoin. Ça vaut combien leur truc là? 3 balles? Ouais, ça vaut rien de toute façon. Le pinard, il vaut combien? Fais voir combien il vaut le pinard. Il y en a même pas. Il n'y a pas de pinard? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de pinard? What? Ah, ça doit être ça peut-être, non? J'en sais absolument rien. On va quand même nettoyer un peu le pare-brise parce que c'est un peu beaucoup dégueulasse. En fait il sonne parce que je suis en train de le vider, donc il compte le poids et voilà. C'est vrai que c'est un peu chiant ce bruit qui tididididididit à chaque fois que tu vides la voiture ou que tu la remplis. Bah, en fait ce que j'ai peur c'est de perdre mes sous quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pas j'ai au moins envie de lui donner les médocs qui me restent en fait à vendre. Et après le reste je pense que c'est pas très grave. Mais au moins les médocs. Parce que je pense que le reste je peux le vendre après, mais pas de soucis. Mais c'est surtout les médocs que j'ai envie de vendre. Bah on va mettre... Attends, tu peux me prendre le café? Voilà. En gros, je pense qu'il peut pas dépasser les 200. Il doit avoir 200 dans la caisse. Mais c'est vraiment pas beaucoup, 200. Hein. Ouais, je suis à 298. Ah, 198, ouais. Pourquoi je te l'amène comme ça, moi? Je voulais pas en prendre 3 à la base, mais j'en ai plus qu'une, je crois. Il va falloir à un moment que je change. Et puis de toute façon j'en ai deux qu'il va bientôt falloir que je change aussi. Et je crois qu'on était tout, qu'on avait tout là.
Ouais, mais bon. Oui, faut que je nettoie un petit peu. Voilà, on a enlevé le plus gros. Où la manette? Elle est là-bas. Allez, on s'en va. On se taille, on part devant. Hop, nickel. Allez, grimpe. Allez, grimpe, cocotte. Là, au moins, à la frontière, on est tranquille. Le truc c'est que pour l'instant l'objectif est pas réussi parce qu'il me manque les lampes à 200 balles et il me manque une caisse encore. Il me manque les lampes à 200 balles et avoir 1000 balles quoi. Donc ça fait un peu beaucoup. Hop, allez, on avance. J'espère pouvoir avoir... le maximum, on va dire. Est-ce qu'on est arrivé? Personnellement, je pense pas. Ah, quoique si, peut-être. Donc à l'arrière, on a juste des saucisses qui valent que dalle, donc je vais pas aller les vendre là. Mais je crois qu'on arrive bientôt sur la fin. On a un caillou sur le... Ah mais c'est... Ok. En gros c'est des erreurs de texture. Non, il devrait pas y avoir de caillou ici. Ah, tu m'allumes l'essence maintenant? Boîte. Mais je suis même pas un quart, pourquoi tu m'allumes l'essence? Ok. J'ai pas de bouteille de vin, donc c'est bon. Voilà, parfait. Là, pour une fois, ça passe du premier coup.
Nickel. Il me semble que c'est la dernière ville avant Berlin. Là, il y a le magasin. Et il y a... Donc demain, il faudra faire une petite réparation. Ah, quoi que peut-être pas, il doit peut-être encore en rester une autre derrière. Allez, hop. Hop. Hop, hop. Voilà, c'est tout. Moi, je ferme jamais la voiture, mais bon, on s'en fout. On va aller déjà racketter tout le monde. Y'a personne. On va peut-être être en A2. Ou en 2A. En 2-1 ou en 2B. Non, en A-B ou en 2A. Putain, oh, ça va pas moi. Il n'y a personne qui m'a donné des thunes, c'est dommage. Ah non, c'est 2C. Pourquoi 2C? Merde, moi. S'en fout. C'est pas grave. Hop. Donc les amis, j'espère que cet épisode de Jalopy vous a plu. Un petit épisode d'une vingtaine de minutes, 20-24 minutes. C'est plaisant. Moi c'est comme ça que je voudrais que ça soit, mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire s'il y a un truc qui vous plairait de voir ou pas, ou autre chose. Normalement d'ici une dizaine de jours, il y a à la sortie, il y a de grandes chances que je fasse du Far Cry New Dawn. Soit en stream, soit en vidéo. Ou peut-être les deux. Mais je pense plutôt du stream que du vidéo. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce bleu, à vous abonner. Si ça vous a plu et si vous en avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.